Je louerai son nom. Les archanges pour leur chant. Alléluia. Bonjour. Tu nous connais, toi? Il n'y a personne qui répond. Il n'y a pas de bilis, hein? Ni de lumbu. Il n'y en a pas. Hein? Oh. Meba ulinde do tolo dwa u meba ulinde do tolo dwa u meba ulinde maganata do tolo dwa u meba ulinde maganata do tolo dwa u meba ulinde ya itolo do tolo dwa u meba ulinde do tolo dwa u meba Dans le livre de Jérémie 29, le verset 11, Dieu nous dit qu'il a un plan merveilleux pour nous. Alléluia. Là, nous allons le chanter. Hein? Il y a beaucoup de pages dedans. Si tu peux t'élever, tu chanteras. Alléluia. Ne nous regardez pas, on n'est pas au cinéma. On est venu célébrer le Seigneur. Lève-nous. Hein? Célébration. On ne vient pas s'asseoir comme ça. Tu as un plan merveilleux pour moi. Jésus, tu as un plan merveilleux pour moi. Oh, Jésus, tu as un plan merveilleux pour moi. Oh, Jésus, dans les épreuves, tu as un plan merveilleux pour moi. Oh, Jésus, dans les tentations. Tu as un plan merveilleux pour moi, oh Jésus, dans les angoisses. Tu as un plan merveilleux pour moi, oh Jésus, dans le célibat. Tu as un plan merveilleux pour moi, oh Jésus,
Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour les archanges? Sans plus tarder, nous invitons le chœur d'Azaph pour leur chant.
Alléluia! Amen, amen! Est-ce qu'on peut encourager la chorale Azaf? Alléluia! Gloire au Seigneur! Je nous invite à nous tenir debout, s'il vous plaît. Nous allons confesser le nom de Jésus. Quel beau nom! Le nom de Jésus, quel beau nom, moi je veux le louer. Le nom de Jésus, quel beau nom, je veux le louer. Le nom de Jésus, quel beau nom, moi je veux le louer. Le nom de Jésus, quel beau nom, je veux le louer. Le nom de Jésus, quel beau nom, moi je veux le louer. Le nom de Jésus, quel beau nom, je veux le louer. Le nom de Jésus, quel beau nom, moi je veux le louer. Le nom de Jésus, quel beau nom. Le nom de Jésus, quel beau nom, moi je veux le louer. Le nom de Jésus, quel beau nom, je veux le louer. 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 Le nom de Jésus, quel beau nom, ce nom m'a sauvé. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus.
Jésus, qu'est mon nom, je veux l'acclamer. Le nom de Jésus, qu'est mon nom, moi je veux l'acclamer. Le nom de Jésus, qu'est mon nom, je veux l'acclamer. Qu'est mon nom, je veux l'acclamer. Qu'est mon nom, je veux l'acclamer. En toi j'ai la victoire, mon roi. Devant moi tu as terrassé mes ennemis. Tu les as livrés publiquement en fait. Je veux chanter ma joie, Seigneur. Car en toi j'ai la victoire, mon roi. Devant moi tu as terrassé mes ennemis. Tu les as livrés publiquement en spectacle. Moi, tu as terrassé mes ennemis. Tu les as livrés publiquement en fait. Je veux chanter ma joie, Seigneur. Car en toi, j'ai la victoire, mon roi. Ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, Alléluia. Que tu sois loué.
roi des rois viendra nous chercher. Bientôt le roi des rois reviendra nous chercher. Bientôt le roi des rois viendra nous chercher. Bientôt le roi des rois reviendra me chercher. Bientôt celui que j'aime viendra me chercher. Bientôt celui que j'aime reviendra me chercher. On dira c'est fini. Saint-Esprit, nous passons à l'adoration. Je vous invite à rentrer au-dedans de nous. Alléluia. Chapra dalade, sofa de deva. Et les bababo, chababa. Hey, alléluia. À toi la gloire. À toi la louange. Oh, à toi la gloire pour l'éternel. Oh, à toi la gloire. Oh, à toi la gloire. À toi la louange. Oh, à toi la louange. Oh, assis sur ton trône, tu règnes jamais. Oh, pour l'éternité, pour l'éternité. Chantez à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la louange, à toi la louange, à toi la gloire. À toi la gloire, l'éternité. À toi la gloire, à toi la gloire. Shababababababababo, era bababo, shababababababo. À toi la gloire, à toi la gloire.
toi la gloire, à toi la louange, à toi la gloire, pour l'éternité, pour l'éternité. À toi la gloire ce matin, Jésus. Est-ce que tu peux commencer à adorer celui-là qui est digne de gloire? Tu peux commencer à célébrer le roi digne de gloire ce matin. Alléluia. Nous voulons élever nos voix vers toi et dire que tu es saint. Nous voulons proclamer ta sainteté ce matin, Jésus. Alléluia. Qui est comme toi ce matin? Comme toi, Jésus. Est-ce que tu peux adorer encore ton Dieu ce matin? Toi, Jésus. Majestueux, toi, le Seigneur. Oh, à toi la sainteté, Jésus. À toi la sainteté, Jésus. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, éternel.
toi la lumière qui éclaire le chemin de ma vie. Alléluia. Car tu es la lumière qui éclaire mon chemin. Jésus, tu as les mots qui apaisent mon cœur. Tu es l'espoir qui chaque jour vit dans mes pensées. À jamais tu seras. Est-ce que tu peux adorer ton Dieu ce matin? Tu n'es pas venu ce matin pour regarder ce qui se passe. Tu es venu pour adorer ton Dieu. Est-ce que tu peux commencer à adorer ton Dieu ce matin? Adore le Dieu qui t'a donné la vie. Adore le Dieu qui te donne la santé. Adore le Dieu dans qui tu peux être en vie ce matin. Seigneur, nous t'adorons. Nous te magnifions, notre Dieu. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Parce que tu es digne. Tu es digne de recevoir ton louange. Tu es digne de recevoir notre adoration. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Saint-Esprit. Parce que tu es tout pour nous. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, notre Dieu. Alléluia. Tu me satisfais. Tu me satisfais, Jésus, tu me satisfais.
que toi seul nous suffis. Toi seul me suffis, Seigneur. Je n'ai besoin de rien d'autre. Parce que toi seul tu me suffis. Toi seul tu es mon berger. Et toi seul tu sais prendre soin de moi. Alléluia. Mon âme adore le Dieu qui me satisfait toujours. Mon âme t'adore, toi le véritable. Alléluia. Nos âmes t'adorent ce matin. Nos âmes t'acclament ce matin. Nous t'acclamons ce matin, Seigneur. Nous t'acclamons, toi le ressuscité. Alléluia. Nous t'acclamons, notre Dieu. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Merci d'avoir acclamé pour moi. Mais je disais d'acclamer Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, inégalable. Est-ce que tu peux acclamer ce Jésus-là? Alléluia. Nous t'acclamons, notre Dieu. Te saluons, Saint-Esprit. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Bonjour peuple de Dieu, bonjour peuple de Dieu, bienvenue dans la merveilleuse présence de notre Dieu et bienvenue à la maison de transformation, amen. Alors ce matin nous voulons d'abord saluer toutes les personnes qui nous regardent à travers notre plateforme YouTube, que Dieu vous bénisse quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, amen. Et nous voulons également saluer toutes les personnes qui sont présentes en ce lieu pour la première fois. Si vous êtes là pour la première fois, est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Nous voulons vous saluer d'une façon assez spéciale. Et lui, est-ce que nous pouvons les encourager, s'il vous plaît? Alléluia. Seigneur, tu vois tes enfants ici présents. Bénis-les. Seigneur, tu les vois, ils sont présents. Bénis-les. Seigneur, tu vois tes enfants ici présents. Bénis-les. Encourager ces personnes. Il y a la joie dans le ciel lorsqu'une âme vient à Dieu. Est-ce que nous pouvons les encourager? Alléluia. Alors, bienvenue, mes chers frères. Nous vous saluons et nous vous disons bienvenue. Sachez que cette maison, cette église est la vôtre et la place que vous occupez est désormais la vôtre. Amen. Alors, à la fin du culte, s'il vous plaît, ne partez pas. Veuillez nous accorder juste 5 minutes à ma gauche. Vous allez rencontrer l'ancien Lionel Bangou. Et il se chargera de vous donner, de vous présenter le fonctionnement de notre assemblée. Amen. Alors, nous voulons également célébrer notre catégorie de personnes. Toutes ces personnes-là qui ont célébré un anniversaire de baptême, de naissance, de mariage ou autre. Si vous êtes là, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous lever? Nous voulons nous joindre à vous pour le célébrer avec vous. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Sous la conduite des géléons. Oh, bénis-les, bénis-les, bénis-les. Amen, Seigneur, bénis-les, bénis-les, bénis-les. Amen, Seigneur, bénis-les. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère, et qu'il t'accorde encore beaucoup d'autres années à célébrer. Amen. Alors, nous allons passer à la récolte des dîmes et des offrandes. Ce matin, nous avons 2 corbeilles. La première est évidemment celle relative aux dîmes et aux offrandes. Et la deuxième sera pour la mission, sous la conduite des Gédéons, s'il vous plaît. Alléluia! Alléluia! Comme toujours, nous voulons apporter dans la maison du Seigneur avec joie, avec allégresse. Amen! Moana,
car tu m'as sauvé par ton nom précieux, les Koumas. Passons à la deuxième corbeille, celle relative à la mission. Thank you.
Nous allons demander à l'ancien Boissard de prier pour les dîmes et les offrandes. Sans plus tarder, nous laissons la place à Sénette et Poésie pour sa prestation.
Est-ce que nous pouvons continuer à encourager, Seigneur, tes poésies, s'il vous plaît? Sans plus tarder, nous allons incliner nos cœurs, nous allons incliner, baisser nos têtes. Nous allons prier pour le message. Tu vas demander à Dieu de disposer ton cœur, que Dieu dispose ton cœur afin que la parole qui sera donnée ce matin nous fasse du bien. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix? Nous voulons, Seigneur, que tu disposes nos cœurs ce matin. Dispose nos cœurs à recevoir ta parole. Nous t'en supplions, notre Dieu, nous refusons d'être distraits. Nous refusons d'être déconcentrés, Seigneur, mais nous prions que ce matin, ta parole nous fasse du bien, que ta parole fasse du bien à un cœur meurtri ce matin, que ta parole transforme une vie ce matin. Nous attendons à toi, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous recevons notre orateur de ce jour, le diacre Armel Zola. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Amen. Amen. Bonjour à tous. Recevez la paix et la grâce du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut encore dire Amen? Gloire à Dieu. Alors, comme vous pouvez le constater, notre Père est absent ce matin. Il est du côté de Langounier, plus précisément à Mouila, pour une mission avec la JAD, dont il est le directeur national. Il est rentré de Nairobi en début de semaine. Hier, il est parti pour Langounier. Il sera de retour à Libreville, Dieu voulant, demain. Amen. Il est de tout cœur avec nous. Soutenons-le dans nos prières. C'est l'occasion pour nous de lui dire merci pour la confiance qu'il nous offre. Merci également à Maman Tina qui nous regarde en ligne. Maman Tina, que Dieu te bénisse. Amen. Je voudrais, avant de commencer, passer une annonce. Une annonce qui est passé en semaine dans les réseaux sociaux ou sur les réseaux sociaux. L'année dernière, nous nous sommes retrouvés du côté de la salle des conférences du ministère des Eaux et Forêts avec le couple Capia. Dans la quatrième édition, je pense que c'était la quatrième édition ou la troisième édition, c'était la troisième édition de Jésus le Roi que nous adorons. Celui-là qui nous rassemble ce matin autour de son nom. Et cette année, ils avaient promis pour cette année. Et cette année, ça va se faire. Amen. Amen. Dis à ton voisin, ça va se faire. La quatrième édition du concert Jésus, le roi que j'adore. Alors, nous sommes en train de finaliser l'acquisition de la salle. Donc, dans les jours à venir, nous vous donnerons l'information. Mais retenez que c'est pour le 21 mai, le dimanche 21 mai, ce sera le dimanche de Pentecôte. Ce dimanche-là, on va rester jusqu'à... parce que lundi, il n'y aura pas le travail. Donc, achète déjà... non, réserve déjà ton billet. Les billets seront disponibles d'ici la fin de la semaine au prix unique de 5000 francs. Les t-shirts, polos, on m'a même parlé de pullover, sont déjà disponibles. Passez commande. Vous pouvez vous rapprocher de moi, vous pouvez vous rapprocher du frère Béni. Est-ce qu'il peut se mettre debout? Pour ceux qui ne le connaissent pas, je pense qu'il n'est plus... les stars ne sont plus à présenter. Vous pouvez vous rapprocher de son épouse également qui est derrière. Lorsque nous venons aux couleurs de Jésus, le roi que nous adorons. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je voudrais respectueusement demander à la chorale de revenir. Je voudrais chanter encore avec vous. Tu m'envahis pleinement de ta présence. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Je vous respecte dans vos belles chemises, dans vos belles robes, dans vos beaux costumes. Mais ce matin, celui qui est au centre, c'est Jésus. Alors si tu ressens sa présence, tu peux chanter avec nous, tu m'envahis pleinement.
Si depuis que tu es arrivé ce matin, tu ne l'as pas encore ressenti, c'est maintenant que tu vas la ressentir. Tu nous envahis pleinement de ta présence. Tu m'en... Que nos voix montent jusqu'au trône de la grâce. De ta présence. Tu nous satisfais ce matin. Tu me satisfais, Jésus. Dis-le encore plus fort. Ce matin, je vais être envahi de ta présence. Tu m'envahis. Pleinement, pleinement. Seigneur, tu es le seul qui nous satisfait. Tu me satisfais. Et ce matin, c'est ta présence que nous réclamons au milieu de nous. Tu m'envahis de ta présence. Tu m'envahis pleinement de ta présence. Tu me satisfais. Est-ce que tu peux le dire une dernière fois? Tu m'envahis. Gloire à toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut prendre place dans sa présence? Merci à la chorale. Que Dieu vous bénisse. Nous restons dans la présence de Dieu. Chaque jour est l'occasion pour nous de dire merci à Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies, pour ce qu'il est et pour ce qu'il fera. Ce matin, je suis convaincu que sa présence fera du bien à quelqu'un. Je ne sais pas de qui il s'agit. Je ne sais pas de qui il s'agit. Je ne sais pas par où ça va se passer. Mais sa présence va toucher quelqu'un. Si c'est toi, je voudrais que tu dises trois fois Amen, Amen, Amen. Alors que je préparais ce message, ou alors que je cherchais le message, il y a une pensée qui est montée dans mon cœur.
Et j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à écrire, jusqu'à ce que je sente Dieu me dire que ce n'est pas ça. Je dis rarement que Dieu m'a dit, mais hier, Dieu m'a dit que ce n'était pas ce message. J'ai posé la question, qu'est-ce qui doit se passer, Seigneur? Le temps est court. Le temps est court. Et Dieu a mis une parole dans mon cœur où il pouvait dire, il faut que Lazare sorte. Je voudrais que tu dises avec moi, il faut que Lazare sorte. Je sais que tu ne comprends pas de quoi il s'agit. Mais je dis à quelqu'un que ce matin, Lazare va sortir. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Mais ce matin, il faut que Lazare sorte. Et il sortira au nom de Jésus. Parce que rien ne résiste à la puissance du nom de Jésus. Ce matin, sa présence va nous envahir. Sa présence va nous faire du bien. Et quelqu'un sortira d'ici totalement restauré. Quelqu'un sortira d'ici totalement guéri. Les chaînes vont être brisées. Les barbelés des cachots vont être cassés. Parce que la présence de Dieu est ici. Je voudrais partager avec vous l'histoire d'une famille de Béthanie. C'est une famille que nous connaissons. La Bible nous parle de trois membres de cette famille. Marthe, Marie et leur frère Lazare. La Bible dit que Marthe était une femme très occupée et préoccupée, j'ai envie de dire, par les choses de la terre. Très rapidement, lisons dans Luc chapitre 10 pour voir comment la Bible décrit Marthe à partir du verset 38. Luc chapitre 10. À partir du verset 38. La Bible dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied de Jésus, au pied du Seigneur, écoutait sa parole. On va revenir sur Marie. Verset 40, Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » On va d'abord s'arrêter là. Marthe, c'était une bonne femme. Elle était préoccupée à ce que tout se passe bien dans la maison, préoccupée à ce que tous les invités qui arrivent aient le meilleur service, comme toutes les femmes de parole vivante. Elle voulait tellement que les choses se passent bien, mais elle se plaignait aussi, parce qu'elle était préoccupée, elle avait une autre vision, elle était préoccupée, j'ai envie de dire, par les choses de la terre. Elle vient se plaindre auprès de Jésus. En français courant aujourd'hui, mais Seigneur, ça ne te fait rien de voir Marie me laisser tout faire seule. Dis quelque chose pour qu'elle vienne m'aider, parce que si c'est moi là, elle ne va pas venir. Et voilà comment Jésus répond. Au verset qui suit, le Seigneur lui répond, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes et t'agites pour beaucoup de choses. Comme chacun d'entre nous ce matin. Nous sommes tellement préoccupés. Nous sommes tellement inquiets. Nous voulons voir les choses changer. Nous voulons voir les choses bouger. Nous voulons gagner du temps dans les affaires. Nous voulons gagner du temps dans la carrière. Nous voulons gagner du temps dans les études. Nous sommes inquiets pour beaucoup de choses. Le verset suivant. Marie, il dit une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera
point ôté. Plus haut, nous avons lu que Marie était assise aux pieds du Seigneur. Frère, où es-tu assis ce matin? Ma soeur, où es-tu assise ce matin? Es-tu agité par beaucoup de choses que toi-même tu sais? Où es-tu assise au pied du Seigneur? Quelle est ta position ce matin? Je ne peux pas la connaître. Tu la connais mieux que moi. Je connais ma position, tu connais la tienne. J'ai pour habitude de dire, il y a deux endroits qui ne mentent pas. Lorsque vous vous tenez devant la glace, vous êtes face à vous-même. Si vous avez fait quelque chose de mal, vous avez du mal à vous regarder. Chacun de nous sait à quel niveau il se situe. Quelle est ta position ce matin? Es-tu préoccupé? Es-tu agité et inquiet? Ou es-tu assise aux pieds du Seigneur? Nous poursuivons avec ces deux personnages dans le chapitre 11 de Jean, à partir du premier verset. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Amen. Jésus connaissait la situation de Lazare, mais il a gardé son sang-froid. Et il dit, cette maladie n'est point à la mort. Je te dis ce matin que la situation que tu traverses, elle n'est point à la mort. Je ne sais pas ce qui te tracasse. Je ne sais pas ce qui t'agite, ce qui te préoccupe. Mais je voudrais que tu retiennes une chose et une seule, c'est que cette situation n'est point à la mort. Est-ce que tu es en voie de divorce? Est-ce que ta relation ne marche pas avec ton époux, avec ton épouse? Chaque jour, vous vous querellez. Chaque jour, c'est la guerre dans la maison. Qu'est-ce qui se passe? Tu es désemparé. Tu as laissé les armes. Tu viens par formalité. De peur qu'on te pose la question, mais pourquoi tu ne viens plus à l'église? Est-ce qu'il s'agit d'un enfant qui te prend la tête? Tu ne parviens plus à le gérer. Au point où tu es sur le point de l'envoyer dans un internat ou ailleurs. Il est au bord de la délinquance. Et en tant que mère, en tant que père, tu es tracassé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Est-ce que c'est une situation professionnelle? Est-ce que c'est la solitude? J'ignore ce qui se passe. Mais il y a tellement de problèmes de nos jours. Tellement de problèmes de nos jours. Parfois nous dormons et nous rêvons des situations qui nous dérangent. Moi j'ai déjà vécu ça. Est-ce que c'est une situation professionnelle? Tu veux avancer, ça ne marche pas. Tu as tout essayé. Tu as fait tout ce qu'on t'a demandé de faire. Ça ne marche pas. Est-ce que c'est une maladie? Ce matin, Dieu te dit, cette maladie n'est point à la mort. Ce matin, Dieu te dit, ta situation n'est point à la mort. Parce que ce n'est pas encore fini. Il faut que Lazare sorte ce matin. Et il va sortir. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Pourquoi tu n'avances pas? Tu es arrivé au point où tu t'appropries la maladie. Ah frère, je suis conditionné
à prendre les médicaments tous les jours parce que ma tension là, est-ce que c'est ta tension? Mon diabète là, est-ce que c'est ton diabète? Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas jumeler le temple du Saint-Esprit et la maladie. Ça ne passe pas ensemble. Mes maux d'estomac, comment tu peux dire ça? Ce matin, il faut que Lazare sorte. Quelle est la situation qui te dérange? Ça fait 2, 3, 4 ans. Rien ne bouge. Ce matin, les choses vont changer. Ce matin, les choses vont bouger. Jésus dit, cette maladie est pour la gloire de Dieu. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Ce que tu traverses a un seul objectif. Que le Fils de Dieu soit glorifié. Alors qu'il est venu ce matin, il sera glorifié à travers la situation que tu traverses. Le monde t'a collé une étiquette. Celle-là, depuis qu'elle est allée à l'église, elle ne se marie pas. Ce n'est pas un problème. Tu ne te maries pas pour qu'à travers ton mariage, le Fils de Dieu soit glorifié. La situation que tu traverses aujourd'hui est pour une seule raison, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Voilà pourquoi, aussi longtemps que tu vas chercher à maîtriser les choses, à corriger les choses, à gérer les choses de par toi-même, Dieu va te regarder. Jusqu'à ce que tu comprennes qu'il faut que le Fils de Dieu soit glorifié. La Bible nous enseigne dans le Nouveau Testament plusieurs histoires, bonnes histoires, où Jésus guérissait, Jésus délivrait, mais il disait toujours une chose, qu'il te soit fait selon ta... Cela veut dire que ta responsabilité est aussi engagée. C'était Jésus, le Fils de Dieu, tout puissant. Il pouvait simplement parler à la maladie et la maladie sortait. Mais il engageait toujours la foi de la personne pour qui il intervenait. Qu'il te soit fait selon ta foi, où il disait, va, ta foi t'a guéri. Va, ta foi t'a sauvé. Ce matin, active le bouton de ta foi. Parce qu'il faut que Lazare sorte. Ta responsabilité est engagée. Si tu n'actives pas ta foi, Lazare ne sortira pas. Active ta foi. La mienne, elle est déjà active. Celle du Seigneur est déjà active. C'est la raison pour laquelle tu entends ce message. Active ta foi. Vous allez voir plus loin dans l'histoire ce qui s'est passé entre Marthe et Marie. Or Jésus, nous sommes au verset 5. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Il les aimait tous. Je vais lire dans ma Bible. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Frère, on va dire que Jésus était mauvais. Puisqu'il les aimait, il apprend que Lazare, son ami, est malade. Mais il prolonge son séjour de 2 jours. Est-ce que ce n'est pas bizarre? Est-ce que ce n'est pas bizarre? Il a fait parce qu'il fallait que la gloire de Dieu soit manifeste. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne branche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il branche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, Jésus dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa propre mort. Mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement
du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, les gars, Lazare est mort. Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Jésus se réjouit même de ne pas avoir été là. Pendant que tu t'agites, pendant que tu pleures, tu marches en longueur de journée, tu parles à l'intérieur de ton cœur, Jésus se réjouit. Parce qu'il sait que la situation que tu traverses n'est pas une finalité. Il sait que la situation que tu traverses n'est pas la fin. Lazare a été déclaré mort. Mais Jésus dit, on va le réveiller. Ta situation a été scellée sur un plan humain. On a dit qu'on ne peut plus rien faire pour toi. Tu as été déclaré stérile. Tu as été déclaré, tu vas passer sur une table d'opération. Tu as été déclaré avec un cancer. Je ne sais pas ce qui a été déclaré. Tu as été déclaré celui ou celle qui ne va pas réussir. Mais ce matin, le Seigneur est venu réveiller cette situation qui a été déclarée morte. Le Seigneur est venu restaurer, ressusciter cette situation qui a été déclarée morte. Et ce matin, il est venu jusqu'à nous. Il dit, allons vers lui. Ce matin, il est venu jusqu'à nous. Au verset 17, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. 4 jours. Généralement, chez nous, dans notre culture, dans notre quotidien, dans nos coutumes, lorsqu'on enterre un mort, après l'enterrement, on fait le conseil de famille. On a, je ne sais pas si c'est la bonne ou la mauvaise habitude de sortir nos morts le vendredi pour que tout le monde soit là. Le samedi, on a enterré. Le dimanche, on fait la réunion de famille. Le lundi, on reprend les activités. Donc, au bout de 4 jours, pour que Lazare sorte. Tu ne m'as pas bien entendu. Ce matin, il faut que Lazare sorte. Ta situation est scellée. Plus rien n'est possible pour toi du point de vue humain. Il y a des gens qui sont forts. Ce sont les médecins. J'ai rien contre eux, mais ils sont quand même forts. Ça veut dire que ce n'est pas toi qui as créé l'homme. Mais tu prends la responsabilité de dire à quelqu'un, là, on ne peut plus rien faire pour toi. Comment ça? Tu prends l'engagement de dire à quelqu'un, ton sort est scellé. Vraiment, madame, on a tout essayé. Vraiment, on ne peut plus rien. Vraiment, les médecins qui sont dans la salle, pardonnez-moi, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Heureusement que Dieu sauve les médecins. Amen. Amen. Les médecins, nous vous aimons. Nous vous aimons beaucoup. Nous vous aimons beaucoup. On continue la lecture. Verset 17. Verset 18. Et comme Béthanie était près de Jérusalem à 15 stades environ, lorsqu'on fait la conversion, 15 stades, c'est environ 3 kilomètres. Beaucoup de Juifs, comme aujourd'hui, étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe, la même Marthe là, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Elle est toujours en train de se plaindre. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu,
Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe dit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection. Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Là, Marthe avait déjà désactivé sa foi. Comment ? Tu es devant Jésus, Jésus lui-même. Il te dit, ton frère ressuscitera. En fait, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Lorsqu'on nous dit, frère, nous allons prier. Ah, maman Tina est venue ici avec toutes les femmes d'Abigaël. Elles ont prié, prié, prié. Je suis toujours là. Souvent, lorsque vous discutez avec certaines personnes, frère, pourquoi moi, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai prié, 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 prié. Rien ne bouge. Jésus dit à Marthe, ton frère ressuscitera. Commence à activer ta foi ce matin. Commence à activer ta foi. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand même, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Elle connaît la parole, hein? Elle connaît la parole. Mais permettez-moi de vous dire qu'elle connaît, mais là, elle ne croyait plus. Parce que ça faisait quand même 4 jours. Et je pense que si on transpose cette situation aujourd'hui, plusieurs d'entre nous auraient réagi de la même manière. Oh Seigneur, ah pasteur, toi aussi, ça fait 4 jours qu'on a enterré. Je sais que le Seigneur fait avec toi. Je sais que tu es ceci. Je sais que tu es cela, mais quand même là, ça fait 4 jours qu'on a enterré. Tu connais la parole, c'est bien. Mais ce matin, tu vas vivre la parole. Ce matin, tu vas vivre la parole. Ce matin, tu vas vivre la parole. Ce matin, je dis, tu vas vivre la parole. Qu'est-ce qui se passe? Marthe laisse Jésus. Elle va dire à sa sœur, le maître est là. Et il t'appelle. Elle se débarrasse parce qu'elle ne croit pas. Elle ne croit plus. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva. Elle se leva comment? Elle se leva comment? Elle se leva comment? Parce qu'elle a su que là, quelque chose va se passer. Marie était celle-là qui était toujours au pied du maître. Elle connaissait la puissance, elle connaissait la valeur, elle connaissait qui était Jésus. Se lever promptement, j'ai envie de dire, c'était une manière pour elle de dire, enfin, ce qu'on attendait est arrivé. Bien qu'il ait été enterré depuis 4 jours. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Verset 31, les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever, la Bible insiste, promptement, et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour pleurer. Lorsque Marie fit arriver là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Oh, elle reconnaît la seigneurie de Jésus. Elle tomba à ses pieds. Même dans le malheur, même dans la tristesse,
Au-delà de son côté humain, elle reconnaît que celui-là, c'est l'homme de la solution. Celui-là, c'est celui qui détient la toute puissance de Dieu. Tout de suite, elle tombe à ses pieds. Et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici comme sa sœur, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Jésus a discuté avec Marthe avant. J'ai envie de dire, rien ne s'est passé. C'était une rencontre humaine, normale, naturelle, comme toutes les rencontres que tu as déjà eues dans la présence de Dieu, avec Dieu. C'était, j'ai envie de dire, un culte normal, comme tous les cultes que tu as traversés. Mais ce jour-là, lorsque Marie s'est prosternée aux pieds de Jésus, la donne a changé. C'est devenu un culte comme le culte de ce matin, où Jésus frémit en son cœur. Marie a fait frémir le cœur de Jésus. Dans son esprit, il fut tout ému. Comme on a l'habitude de dire, les cheveux se sont levés. Et la Bible dit, Jésus les aimait. Mais pourquoi il n'a pas eu ce sentiment devant Marthe? À cause de la connexion qu'il y avait entre Marie et lui. Marthe était une religieuse. Elle connaissait la parole. Même devant Jésus, ça sortait comme ça. Seigneur, je sais que oui, il va ressusciter le dernier jour. Mais Marie avait choisi la bonne part, la connexion avec Dieu, l'intimité avec Dieu. Frère, même dans nos rapports avec les hommes, ce qui touche nos cœurs, ce sont les personnes que nous aimons. C'est un principe naturel. Celui qui touche ton cœur, c'est celui qui a le feeling avec toi. Parfois, on fait l'insensibilité où on ne passe pas en priorité ce qui vient d'une personne lointaine. Mais dès que c'est quelqu'un de ton cercle, on fait passer en priorité. Et il dit au verset 34, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondirent, viens et vois. Où l'avez-vous mis? Où as-tu mis ta situation? Je parle comme toi, ta situation. Où as-tu mis ton problème? Est-ce que tu peux dire ce matin au Seigneur, viens et vois? Est-ce que tu peux dire ce matin au Seigneur, voici mon état, voici mon problème. Ce matin, le Maître est venu. Ce matin, nous sommes à Béthanie. Et ce matin, Lazare va sortir. Contrairement à Marthe, Marthe dit, ça fait 4 jours. Elle laisse Jésus, elle part. Mais là, ils disent à Jésus, viens et vois. Au verset 35, la Bible dit quoi? Jésus pleura. Jésus pleura. C'est clair. Quelle que soit la version que vous prenez, c'est Jésus pleura. Pourquoi Jésus pleure? Parce qu'il est touché. Il est touché par ce qui se passe. Lorsqu'on repart au début de la lecture, Jésus n'est pas censé pleurer parce qu'il sait. Tout à l'heure, il s'est réjoui de ne pas avoir été là.
Tout à l'heure, il a dit, cette maladie est pour la gloire de Dieu. Ensuite, il a dit, on s'en va réveiller Lazare. Donc, il savait tout ce qui était en train de se passer. Mais pourquoi Jésus pleure? Frère, si tu es sérieux avec Dieu, si ta relation avec Dieu ne souffre d'aucune contestation, ta situation fait pleurer le cœur de Dieu. Parce qu'il n'est pas satisfait de ce qui se passe, de la condition dans laquelle tu es. Ce matin encore, le Seigneur pouvait me rappeler qu'il a pour nous des projets de paix et non de malheur. Donc le plan de Dieu, la vision de Dieu, le rêve de Dieu pour toi est que tout marche bien. S'il y a une situation qui te tracasse, le cœur de Dieu est touché. Parce que ce n'est pas ce qu'il a prévu pour toi. Quelle est cette situation qui te tracasse? Est-ce que c'est le péché? Est-ce que tu pèches régulièrement? Est-ce que tu es attaché à un péché dans lequel tu tombes, tu te répands, tu tombes, tu te répands, tu tombes, tu te répands? Cela est devenu monnaie courante. C'est un style de vie. Il n'y a que Dieu et toi qui savez que c'est comme ça que tu vis. Ce matin, dis en ton cœur, Seigneur, viens et vois. Jésus pleure à chaque fois que tu tombes dans le péché. Jésus pleure parce que ce n'est pas ça le plan qu'il a pour toi. À chaque fois que tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, Jésus pleure parce que ce n'est pas ça le plan qu'il a prévu pour toi. À chaque fois que tu te lèves et que tu vas faire des contrôles médicaux, le cœur de Jésus pleure parce que ce n'est pas ce qu'il a prévu pour toi. Mais quand est-ce que tu vas lui dire, Seigneur, viens et vois. Quand est-ce que tu vas le faire? Ce matin, il est entré à Béthanie. Ce matin, il faut que Lazare sorte. Ce matin, il faut que Lazare sorte. Ce matin, il faut que Lazare sorte. Est-ce que lorsque Jésus te voit, il est ému de compassion? Sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? L'incrédulité des hommes. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, toujours Marthe. Encore Marthe. Je ne sais pas qui avait rappelé Marthe là. Mais toujours Marthe. Seigneur, il sent déjà. Car il y a 4 jours qu'il est là. J'ai jamais eu l'opportunité et je ne souhaite pas rencontrer cette opportunité de tomber sur un cadavre qui sent déjà. Frère, si le chien qui meurt sur la route sent, et quand on passe, on fait comme ça, à combien plus forte raison le cadavre d'un homme avec tout ce qu'on mange là, un cadavre enfermé dans une grotte. Bon, c'est dommage, on ne peut pas imaginer l'odeur. Ça devait être terrible.
Et quelque part, la réaction de Marthe, bon, même si on l'accuse trop, mais quelque part, la réaction de Marthe est normale. Il sent déjà. Ta situation sent au point où, quand tu passes, on se moque de toi. Ta situation sent au point où même tes propres frères rient de toi. Parce que tu n'avances pas. Parce que tu es un bon parleur. Tu es comme Marthe, tu connais Jésus. Tu connais sa parole. Tu sors ça comme ça. Mais les gens te regardent. Ta situation n'avance pas. Elle sent déjà. Ta situation a été mise dans un sépulcre. Qui l'a mise? Parfois c'est toi-même. Jésus lui dit, Marthe, je t'ai déjà parlé. Tu ne comprends pas. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Là encore, la responsabilité de Marthe est engagée. Si tu... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce matin? Alors je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Verset 43, ça c'est le verset que j'aime. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Frère, est-ce que Jésus avait besoin de crier? Est-ce que Jésus, je te pose la question, est-ce que Jésus avait besoin de crier? C'est quand même Jésus. C'est quand même Jésus. Mais il parle à Lazare, qui n'est plus censé entendre, parce qu'il est mort. On est bien d'accord. Lazare est mort. Ce n'est pas le genre de mort qui est fraîche, où il vient de partir, où on ne sait pas, bon, peut-être que, non, ça faisait 4 jours et il sentait déjà. Mais Lazare, Jésus parle à Lazare et il sait que lorsqu'il va parler, Lazare va entendre. Et il dit, Lazare, sors! Est-ce que tu crois que si tu parles à ta situation, elle va entendre? Est-ce que tu crois que si tu parles à ta situation, elle va entendre? Non, tu ne crois pas. Et tu fais comme quelqu'un qui ne croit pas. Je te pose encore la question. Est-ce que tu crois que si tu parles à Lazare de ta vie, il va entendre? Est-ce que tu crois que si tu parles à cette situation qui est morte et qui sent dans ta vie, elle va entendre? Si tu le crois, je veux que tu te mettes debout et que tu cries avec moi, Lazare, sors! Il faut que Lazare sorte de ta vie. Reste debout. On a fini. On va bousculer Lazare ce matin. Tu connais Lazare de ta vie. Il y a un Lazare dans ta vie qui est mort depuis des années. Mais ce matin, Dieu va le faire. Dis avec moi, Lazare, sors! Ferme les yeux là où tu es et regarde à ta situation. Fixe ta situation. Elle t'a longtemps malmené. Dis avec moi, Lazare, sors! Il faut que Lazare sorte ce matin. J'ignore quelle est la maladie qui te retient. J'ignore quel est ton problème professionnel. Mais ce matin, il faut que Lazare sorte. Dis avec moi, Lazare, sors! Rabashakayaba Sokorobo. Je ne sais pas pourquoi tu ne crois pas, mais ce matin, il faut que Lazare sorte. Il est là ce matin. Il est le créateur, le faiseur de miracles.
Il est le gardien de la promesse. Ce matin, dis avec moi, Lazare, sors. Dis avec moi ce matin, Lazare, sors. Au nom de Jésus, Créateur, faiseur de miracles. Il est là présent ce matin. Jésus. Il est là présent ce matin. Et ce matin, nous allons dire, nous allons faire cette prière comme Jésus. Je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'exauces toujours. Gardien de la promesse. Tu es Dieu ce matin. Tu es le Dieu de ma situation. Tu es le Dieu de ma vie. Dis avec moi ce matin, Lazare, sors. Kerebasa kaya baba 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 baba. Il est le créateur des miracles. Frère, si tu ne crois pas, reste assis. Mais ce matin, je sais ce que Dieu m'a dit. Tu vas dire une dernière fois. Tu vas mettre le coup de grâce. Ce matin, c'est Lazare qui va sortir. Et tu viendras témoigner. Tu viendras témoigner devant les Juifs, la résurrection de Lazare dans ta vie. Mets le coup de grâce. Tu vas le dire pour la dernière fois, avec toute ton énergie. Tu vas faire sortir les tripes qui sont en toi. Parce qu'il faut que Lazare entende. Dis avec moi, Lazare, sors. Créateur, faiseur de miracles. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Il est le créateur, faiseur de miracles. Créateur, faiseur de miracles. Rien de la promesse, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, faiseur de miracles. Rien de la promesse, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es le créateur. Créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu es là. Tu es là. Agissons, Seigneur. Père, je t'adore. Père, je t'adore. Père, je t'adore. Oh, tu es là. Tu es là. Agissons. Père, je t'adore. Père, je t'adore.
miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es le Créateur et nous le croyons ce matin. Créateur, nous croyons au miracle. Ceux qui sont dans les sépulcres de la maladie, à venir, nous allons prier pour eux. Tous ceux qui sont dans les sépulcres des limitations, venez devant, nous allons prier pour vous. Ceux qui sont fatigués, ceux qui ne savent plus où mettre la tête, tu ne sais plus vers qui te tourner, viens ici devant, nous allons prier pour toi. Nous voulons prier pour tous ceux-là qui ont laissé Jésus sur le chemin, comme Marthe. Tu as abandonné le Seigneur sur le chemin et tu t'es retiré. Viens devant, nous allons prier pour toi. Tout cela dont le péché est devenu un style de vie, tu n'arrives plus à t'en séparer. Viens, nous allons prier pour toi. Alléluia. Ce matin, le Dieu des miracles est ici. Ce matin, le Dieu des miracles est ici. Ce matin, le Dieu des miracles est ici. Quelle que soit ta situation, même si on ne l'a pas cité ici, si tu as besoin de l'intervention de Dieu, si tu es conscient qu'il faut que Lazare sorte, bien, nous allons prier pour toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que les anciens peuvent venir pendant que la chorale continue? Créateur, faiseur de miracles. Tu es le Créateur. On y va. Créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, faiseur de miracles. Continue à prier. Nous continuons à commander à Lazare de libérer les vies. Lazare sort ce matin. Aucun Lazare ne reste dans les vies. Tous les Lazares libèrent les vies ce matin. La puissance de Dieu est au rendez-vous. Et tous les Lazares, quel que soit leur nom originel, nous vous commandons de libérer les vies. Vous lâchez les vies. Nous vous propulsons dehors. Au nom de Jésus. Tous les Lazares libèrent. Tous les Lazares libèrent. Tous les Lazares libèrent. Lazare de la maladie, tu libères. Même si incurable est ton nom, ici et maintenant, tu libères ce corps au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout esprit de mort, tout esprit de mort, tout échec libère au nom de Jésus. Là où la mort a régné, libère maintenant au nom de Jésus. Lâche au nom de Jésus.
sépulcrement lâche au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère. Au nom de Jésus. Lâche au nom de Jésus. Là où la mort règne au nom de Jésus. Là où le diable a enchaîné, libère au nom de Jésus. Reçois la vie au nom de Jésus. Que les chaînes de malédiction disparaissent au nom de Jésus. Lâche. Libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de mort. Esprit de mort. Esprit de mort. Esprit de malédiction. Au nom de Jésus. Libère. Reçois la vie ce matin. 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 Au nom de Jésus-Christ. Je libère les vies au nom de Jésus. Que tous les blocages maintenant soient débloqués dans le nom puissant de Jésus. Que tout ce qui est mort dans leur vie ressuscite maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que la grâce, la faveur de Dieu se manifeste dans vos vies maintenant dans le nom puissant de Jésus. Esprit de mort, je te chasse maintenant au nom de Jésus. Esprit de limitation, je te chasse maintenant au nom de Jésus. J'ai vaincu au nom de Jésus parce que Christ a tout accompli à la croix au nom de Jésus. Je libère les vies maintenant ce matin dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que les gens passent de la mort à la vie dans le nom de Jésus. Que tout ce qui est mort ressuscite ce matin au nom de Jésus. Esprit de limitation, je te chasse maintenant au nom de Jésus. Esprit de limitation, je te chasse maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Manifeste ta grâce, Seigneur. Manifeste ton onction et ta puissance. Tu agis maintenant dans les cœurs. Selon la foi que ta parole a produit ce matin, tu agis dans le nom de Jésus. Tu agis au nom de Jésus. Tu agis, tu manifestes ta grâce et ta puissance. Tu libères les vies. Tu relâches le miracle ce matin dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Korabasha karaba. Korobo shendereba karaba. Ribaraba sokorobo shekereba. Koreba sakayaba. Robo bo 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 bo. Rebo sakayaba raba kayaba raba raba. Le Saint-Esprit est en train de travailler. Le Saint-Esprit est en train de travailler. Le faiseur des miracles est en train de travailler. Gloire à toi, Jésus. Nous voulons prier pour une dernière catégorie de personnes. Tu vis dans la peur. Tu vis dans la peur. Et tu as besoin de sécurité. Lève la main là où tu es. Lève la main là où tu es. Et nous allons prier pour toi. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Tu vis dans l'insécurité et tu as besoin de te sécuriser en Jésus. Seigneur, tu es ma sécurité et je la transfère auprès de frères et des sœurs qui lèvent la main en ce moment.
au nom de Jésus. Que la paix que tu as mis dans mon cœur soit leur partage maintenant, au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur, qui surpasse toute autre chose, les touche maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu ne manges jamais. Tu ne manges jamais. Tu ne manges jamais. Et parce que tu es vrai, tu leur communiques cette paix maintenant. Au nom de Jésus. 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 Que tout ce qui trouble ton cœur soit ôté maintenant. Au nom de Jésus. Que tout ce qui trouble ta paix soit brisé maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Lazare de la peur sorte de ta vie ce matin. Et que tu sois libre au nom de Jésus. Je déclare que tu viendras témoigner la paix. Tu viendras témoigner la paix. Tu viendras témoigner la paix. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire alléluia? Gloire à toi dans les lieux très hauts. Notre Dieu est saint. Alléluia. Je voudrais que tu lèves les mains. Et c'est par ce chant que nous allons dire merci au Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Lève les yeux vers le ciel. Alléluia. Lève tes yeux vers le ciel. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Dieu tout-puissant, éternel. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Yes, louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Car toi seul est saint. Car toi seul est saint. Tu es saint. Tu es saint. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Est-ce que nous pouvons acclamer, acclamer, acclamer? Acclame Jésus, acclame Jésus.
Acclame-le ce matin, acclame-le encore. Pousse tes cris de joie. Alléluia! 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 Qui a été béni ce matin? Qui a été béni ce matin? Est-ce que ton Lazare est sorti? Si tu crois, dis-le fort, amen avec moi. Non, ton amen me dérange, dis-moi un bon amen. Est-ce qu'on peut agiter comme ça? Venons ici avec les problèmes. Parce que quand tu viens ici avec les problèmes, tu en sors satisfait. Que quelqu'un dise amen. 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 Merci au diacre Armel Zola pour ces moments passés dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur te bénisse, ta famille et toi, et qu'il t'accorde long succès dans ton ministère. Que quelqu'un dise amen. Nous sommes bien aimés en train de nous acheminer vers la fin de ce culte. Je voudrais remercier le groupe Louange. Permettez-nous de faire passer quelques annonces avant de...